Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de notre overblock du mois de avril. C'est long, normalement ça fait au moins 8 jours qu'elle est sortie, mais bon, comme vous le voyez, j'ai déménagé. Donc forcément, c'était le temps de faire tous les changements d'adresse, de récupérer la boîte à l'ancienne adresse, etc., etc. Donc sans plus tarder, en plus j'ai fait un nouveau décor, ce qui peut être sympa, même si de l'autre côté j'ai des voisins qui me regardent assez bizarrement. Et c'est le début, les mecs. Préparez-vous au pire. Bref, il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs pas mal. Bon, il y a des trucs déjà de base, je sais ce que c'est. Il y a marqué en gros. Oh, tiens, hop. On va pas patienter plus longtemps. On va ouvrir ça. Donc, je sais pas si ça va faire le point facilement, mais de toute façon, comme d'hab, vous aurez à la fin de la vidéo le review des objets. Je sais pas encore où je vais le faire. Il y a des chances que ça soit sur le canapé parce que c'est gris, c'est neutre en fond et ça peut être sympathique. Alors, oula. Ça me fait peur. Hop là. Ah, déjà, c'est de la céramique. On l'entend. C'est une salière poivrière en forme de crâne et de pierre tombale. Donc, avec les petits trous, les petits plus gros trous pour les remplir. C'est de la porcelaine. Ça rejoint un petit peu... En plus, ils sont assez beaux quand même, mine de rien. Ça rejoint les ceux qu'on a déjà. Donc, j'ai déjà les Pac-Man... Et les Mario, donc là ça va vraiment, ça change un petit peu, c'est sympathique, en plus ils sont beaux, donc ma foi, un patch, alors un patch, alors appelez-le comme vous voulez, moi je vais l'appeler Cthulhu, le gros méchant à tentacules, il n'est pas trop mal, les deux nuances de verre sont pas trop mal, bon ça change au soleil, même s'il n'y a pas trop de soleil, ça change à la lumière du jour. Nuance, c'est pas mauvais, pas mauvais. On va le sortir, je vais vous dire même directement ce qu'il en est. Hop. Alors, c'est un qui se thermocolle. Vous le mettez un petit coup de fer par derrière, je pense, et ça va le coller. C'est pas un à coudre, si vous vous demandez, on sait jamais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça change, je crois qu'on en avait jamais ici. On a eu un patch Street Fighter. Qui, ma foi, était pas forcément des plus top. Alors, ça que j'ai vu que je ne pourrais pas lire. Parce que c'est un Blu-ray. Et parce que j'ai pas de lecteur Blu-ray. Sauf preuve du contraire. Ah non, il y a un DVD dedans. Bougez pas, on va l'ouvrir. Alors, semble que ça soit The Editor. Truc que je ne connais pas du tout. Je sais pas, ils ont dû payer Horror Block pour passer. Je sais pas trop, est-ce que vous avez vu DVD les mecs, mais bon bref. Parce que derrière il y a marqué DVD et Blu-ray. Bon, pourquoi pas. Peut-être que sur le même il y a les deux. Ce qui m'étonnerait, parce que pour moi c'est juste un Blu-ray. Ouais, il est siglé Blu-ray, donc ma foi. Ça a l'air d'être cucu la praline. Mais un truc de dingue. The Editor. Ça date de quand ça? Ça date de 2014. Le truc il est passé tellement inaperçu, mais bien inaperçu, t'as inaperçu, puis t'as très inaperçu quand même, puis t'as lui après. C'est fait par quand t'as déjà du mal à trouver le producteur, c'est que c'est mauvais. Adam Brooke et Matthew Kennedy. Ouais. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, il y a le chat qui se réveille. On l'a peut-être vu passer. Alors ça, c'est pour la fin. Lui. Ah bah oui. Oh putain, il est classe. Pinhead en pop figure de Hellraiser 3, vraisemblablement. On va le sortir, on va regarder ça de plus près. Que ma foi, après tout... Il est lourd, il est très très lourd, il est plutôt bien fini, ça bave pas trop, bon il a la tête qui bouge ce qui est normal, j'ai peur qu'il, est-ce qu'il est bien stable, oui il est bien stable, ça va, il est pas mal, bon comme d'hab, hein, vous le verrez sûrement plus en focus après, parce que là je suis peut-être complètement totalement hors champ, mais il est pas mal, il est bien fini, est-ce que, bon les bras ne bougent pas. Ce qui est un peu dommage, je l'aurais bien vu remonter le bras droit. Bon, enfin bref.
Donc après on a toujours notre bon vieux. Hop, je vais sortir lui, on va sortir toutes les cartes et on va dégager ça parce qu'on n'en a plus besoin. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les cartes? Ouh, attention. Ah bah oui, voilà. Comment on dit? Protège. Des coques de téléphone vont arriver. Tu peux aller voir ça sur nordblog.com/account/login et renseigner ton téléphone, ton modèle de téléphone pour avoir un, pour en avoir un. Donc bon, là de base c'est un iPhone. Je serais tenté de vous faire, vous aurez sûrement dans la description de la vidéo les téléphones compatibles, parce que je pense que ça va être iPhone 5, 6, 6S, SE, les Samsung Galaxy S6, S7, peut-être le LG G5. Et c'est principalement ce que je verrai en téléphone compatible là, les nouveaux du marché, peut-être un Nokia Lumia ou un HTC, le MT10 qui est sorti il y a pas longtemps je crois, peut-être. Le mois prochain on va avoir un Turbo Kid, pardon, ils ont mal fait leur dé. Un Friday the 3rd, Penny Dreadful qui me dit quelque chose mais que je ne sais plus, et The Omen, c'est pas la malédiction, un truc comme ça. Bref, je sais plus. Et ça, c'est la petite carte qui va nous dire ce qu'on a. Mais il nous reste deux trucs. Alors, le remorque de ce mois-ci qui est sur le thème de... il n'y a pas de thème. Merci. Par contre, la couverture est assez classe. Sobre. Allez, sobre. Je vous rappelle que le mois dernier, on avait eu Rob Zombie en couverture. Ce qui est beaucoup moins sobre d'un coup. Bon, bah comme d'hab, hein, remorque. Donc... ce qu'il en est. Ben, tiens, il y a un spécial sur Doom, le jeu vidéo là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ce qui, ma foi, peut être intéressant. Il y a eu la bêta, j'ai pas pu y participer parce que je déménageais, je travaillais. Donc je suis un peu déçu. Bon, on a toujours les bons films. On devrait avoir quelque part une interview sur un bonhomme. On a des objets. On a... Oh, le Hot Rod. Les Hot Rod. Ben voilà, on a les cinémas, les films. Les trucs de série B, les trucs de série plus que B. Ce qui, ma foi, va être bien sympathique parce qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, je suis de matin. Donc en fait, je commence à 6h30, je finis à 14h30. Et entre 6h30 et 9h, c'est très calme. Donc un bouquin, c'est fortement agréable. Voire même deux bouquins. J'en ai un dans mon sac, là, en tout temps, qui est le Remorque d'il y a 3 mois que j'ai retrouvé au fond d'un carton. Ma foi, pourquoi pas. Bon, hop, et en dernier élément, le t-shirt qui a l'air d'être très 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 rouge et qui a l'air d'être sur King Kong. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je vois un singe. Ouais, ça vous parle? C'est King Kong, ça, pour moi. Ah, on va pas trop passer pour un con, on va regarder. Ah non, 28 jours plus tard. Il y a des singes dans 28 jours plus tard. Quoique à la limite, celui-là, je le reconnais un petit peu, le bonhomme. Mais ça m'étonne qu'il y ait des singes dans 28 jours plus tard. Ah, peut-être. Bref. Si tu le savais avant moi et que je passe juste pour un gros con depuis 3 minutes, bah, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Si tu le savais pas, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi, ma foi, parce que ça peut être intéressant. Bref, nous, on se retrouve de suite. Pour les différents objets, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si le cadre vous va, ou je sais pas, si vous voulez plus une vue sur l'arbre à chat derrière, ou la télé, ou la table, ou les toilettes. J'ai pas encore fait d'unboxing dans les toilettes. Non, c'est une mauvaise idée. Je divague. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des trucs à rajouter, peut-être le son, peut-être la luminosité, je sais pas. Enfin, vous me direz, je contrôle pas trop la lumière qui vient de dehors. Il y a mes voisins qui me regardent toujours assez bizarrement. Faudrait que je ferme mes volets la prochaine fois. Rien que les voilages. Ça atténuera un petit peu la lumière. Bref, on se retrouve de suite pour les différents objets vus en gros plan. Sur ce, portez-vous bien. Et on se retrouve dans une petite dizaine, quinzaine de jours. I looked into her eyes and I said, I don't even feel a thing. I do. I wish I hadn't anyway and felt
like there was more to say. The truth was just another shade of gray, and I don't even see your claim. I do. I wish we hadn't talked that way. And why, even when it rains, the view never takes my breath away. And I don't even feel the pain. I do. I wish we hadn't, wish we hadn't, wish we hadn't. Remember this face and that night where I lost myself. And I swear, thoughts can be conceited, you misleaded, what preceded, and lost myself. And I don't even think about it anymore. I took my time, I picked me up, I signed up for you. And I don't even think about you anymore. Just know I do.